Cet épisode a été réalisé en collaboration avec la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Quand on parcourt les salles de musée, deux mentions écrites s'invitent souvent devant nos yeux. Sens de la visite, déjà. Et puis il y a aussi prière de ne pas toucher. Toujours placée à côté des œuvres pour les protéger des possibles gestes inconsidérés. Mais ça reste malgré tout l'expression d'un interdit pour le public dans cet espace de liberté qu'est le musée. Eh bien, dans cet épisode, on va littéralement le faire sauter, cet interdit, puisque nous allons visiter une expo qui s'appelle « L'art et la matière, prière de toucher », justement, organisée au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 18 septembre 2022. Mais prière de toucher quoi, d'ailleurs ? Alors, pas des sculptures originales, bien sûr, mais des reproductions, précises. Réalisé grâce à la technologie actuelle qui permet de s'approcher au plus près des finitions, des dimensions et des textures d'une sculpture. L'exposition bouleverse totalement les codes de la visite, car elle permet au public, dans un parcours qu'on peut faire les yeux ouverts ou fermés, de toucher avec les mains une dizaine de reproductions de chefs-d'œuvre de l'histoire de la sculpture, qui vont de l'Antiquité à nos jours et qui sont regroupées sous le thème de la figure humaine. Une fois l'expo commencée, on s'autorise enfin ce qu'on a souvent rêvé de faire devant une sculpture. Poser ses mains dessus, suivre une forme, une courbe, s'arrêter sur les détails d'un visage et sentir la matière, le chaud ou le froid, dans la paume de la main ou sur le bout des doigts. Si cette exposition est accessible à toutes et à tous, enfants, adultes, elle s'adresse aussi évidemment, en raison du sens qui est sollicité, aux personnes en situation de handicap visuel. Face aux œuvres, avec ses mains, on est tous sur un pied d'égalité. Si cette exposition a pu voir le jour, c'est grâce à la collaboration de 5 musées des Beaux-Arts français, Lyon, Rouen, Lille, Nantes et Bordeaux, en ajoutant le musée Fabre de Montpellier, initiateur du projet, qui se sont tous regroupés pour mettre en commun des pièces de leur collection à reproduire, et pour faire voyager ensuite cette expo dans les villes respectives. C'est aussi une œuvre collective parce que dans tous ces musées, des associations de non et de malvoyants ont collaboré avec les équipes dans l'accueil des publics et la médiation. Alors maintenant que vous êtes prêts, que vous avez les yeux fermés, prière d'écouter la journée que nous avons passée au musée des Beaux-Arts de Rouen, au milieu de l'exposition « Prière de toucher ». Pour les audioguides, à côté des œuvres, vous avez des pancartes et vous avez les numéros d'inscrits dessus. Donc vous rentrez, vous appuyez sur le bouton du milieu. N'hésitez pas aussi à faire tourner les œuvres, ils sont sur des plateaux rotatifs, donc vous pouvez les adapter à votre façon de toucher. Donc première salle découverte, vous avez des extraits de matériaux, des morceaux de matériaux marbre, bois. Et vous avez les deux premières œuvres à voir, dont une qui est derrière un rideau pour vous familiariser. Et après, la deuxième salle, c'est vraiment les œuvres en elles-mêmes à toucher. D'accord. Bonne visite. Merci. Merci. C'est Frédéric Bigot, responsable du service développement des publics et commissaire de cette exposition qui nous accueille. Donc on a des rampes tactiles qui permettent de s'exercer un petit peu, de se dégourdir la pulpe des doigts à l'entrée de l'exposition. Je pense à ça parce qu'elle est devant nous, elle est là pour commencer à sensibiliser nos doigts, notre paume de main, le côté de la main aussi, parce que la main finalement, la déterminaison nerveuse qui sont différentes au bout des doigts, au centre de la main, sur le côté de la main, et on ne va pas forcément ressentir de la même manière. Donc cette rampe tactile, elle est là vraiment pour éveiller ce sens, le dégourdir, pour qu'ensuite on soit plus à même de mieux percevoir les différents volumes que l'on a dans la sculpture, d'autant qu'en plus là on fait l'exercice les yeux bandés. Donc la vue n'est d'aucune utilité, si on joue le jeu pleinement, c'est vraiment une découverte qui est purement tactile. Nous on a fait l'expérience de l'exposition. Je pense que je vais garder des réflexes après avoir fait cette exposition au toucher, quand je vais pouvoir re-regarder avec les yeux des tableaux. C'est-à-dire que j'ai appris d'abord à toucher l'œuvre dans son ensemble, et puis après aller vers des détails. Et je me suis rendu compte que je pouvais l'appliquer évidemment avec le regard face à une œuvre picturale. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça force finalement à avoir un rapport à l'œuvre qui est différent et à la découvrir dans sa globalité
pour ensuite aller vers le détail et être plus proche de l'œuvre, mieux la ressentir, mieux la découvrir. Et je pense effectivement qu'ensuite, ça peut moduler notre rapport permanent. Enfin, si on s'entraîne non pas à toucher les œuvres dans les musées, parce que là, on est d'accord, on est sur des reproductions. Je précise quand même, on ne touche pas des œuvres, on ne touche que des reproductions. C'est des reproductions particulièrement fidèles. Mais c'est vrai que ça va inciter à regarder les œuvres différemment pour s'attarder peut-être plus sur des détails. Généralement, les visiteurs de musée, ils passent 3-4 secondes devant une œuvre. Alors, savoir ralentir notre regard aussi, c'est vraiment important. Alors, on va rentrer dans la salle d'exposition, la salle de reproduction et la salle de toucher. Il y a tout ça en même temps, en fait, dans cette salle. Il y a une dizaine de reproductions. Oui, alors c'est un choix qui a été fait de 10 reproductions qui retracent une petite histoire de la sculpture, puisqu'on part de moins 600 avant Jésus-Christ avec la reproduction d'une Corée athénienne jusqu'à une œuvre contemporaine en bois de Martha Pan qui date de l'extrême fin des années 1950. Donc on a une évolution de la sculpture. On a des œuvres qui sont, je dirais, très statiques, presque au démarrage. Et au fur et à mesure, on a des œuvres de plus en plus mobiles, qui reproduisent le mouvement. Et le choix de ces œuvres a été fait donc par les différents musées qui participent à cette exposition itinérante, en prenant évidemment des œuvres de leur collection, mais qui avaient aussi la particularité d'être des œuvres donc d'un format que l'on pouvait, si je puis dire, embrasser assez facilement, avec aussi des œuvres qui n'étaient pas trop complexes en termes de volume. On avait fait le choix sur certaines œuvres en se disant, de toute façon, celles-là, on devra à un moment ne pas les retenir parce qu'elles sont trop compliquées, parce qu'on va perdre le visiteur qui a les yeux bandés. Donc on est sur un choix entre l'intérêt de l'œuvre et qu'elle soit compréhensible par les visiteurs. Depuis qu'on parcourt l'exposition, et notamment depuis le début d'après-midi, parce qu'on est à mercredi, le mot qui me vient pour décrire l'atmosphère de cette salle, c'est euphorisant. Parce qu'il y a des échanges, parce que les gens viennent à deux, parce qu'ils se guident, parce qu'il y en a qui rigolent, parce qu'il y a des enfants qui passent. C'est une exposition qui renverse les codes. Dans les musées, on a des codes qui se sont imposés presque d'eux-mêmes et qui continuent à être véhiculés. Les gens n'osent pas parler. Évidemment, on n'a pas le droit de toucher. Ça, c'est presque un maître mot, si ce n'est le maître mot des musées. Et alors, ça se comprend pour des questions de conservation. Mais là, on renverse ces codes. C'est-à-dire que c'est une exposition ouverte à tous, où les gens viennent à plusieurs, où il y a un côté évidemment ludique, de plaisir. Qui n'a pas rêvé dans un musée de toucher une sculpture et même sentir le grain, la matière, voilà. Là, ici, il y a une envie, en tout cas, des gens qui viennent et qui reviennent, puisque beaucoup reviennent aussi, pour expérimenter. Et elle invite à une découverte différente et à une discussion. C'est un lieu de rassemblement, le musée. C'est l'agora, c'est un forum. Le terme grec muséion, c'est la grande bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'était des lieux où les gens débattaient, discutaient. Le musée doit être cela encore maintenant. Un lieu d'échange, de débat, de discussion. Je crois que les gens, quand ils la font en binôme ou en famille, les parents et les enfants peuvent le faire exactement au même titre. Les enfants sont probablement beaucoup plus habitués encore à utiliser le sens du toucher et sont probablement plus habiles que nous à percevoir les contours, les détails. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'exposition. Chacun va les découvrir tel qu'il est avec ses propres sensations. Et nos collections permanentes intégreront aussi de plus en plus d'éléments autour d'une approche multisensorielle. Donc on essaye de faire en sorte que tous les sens soient finalement mobilisés autour de cette visite. Voilà, et c'est vers ce genre de choses que l'on ira maintenant plus régulièrement. L'exposition s'appelle « L'art et la matière, prière de toucher ». Toucher, c'est aussi un mot qui évoque les émotions, être touché. Le fait de fermer les yeux et d'avoir un rapport dans la durée avec la reproduction renvoie finalement à des souvenirs, à des émotions qu'on a éteint, ou en tout cas qui n'effleure pas à notre mémoire régulièrement. Parce que ce sens du toucher, qui est le premier sens développé, pour ainsi dire, par les enfants dès leur naissance, jusqu'à environ 5-6 ans, il commence à se perdre et à s'estomper à peu près à cet âge-là, et mis en sommeil de manière durable vers 10-12 ans. Donc nous, adultes, c'est un sens qu'on utilise finalement très peu. Là, toucher les œuvres, ça éveille des émotions, ça éveille des souvenirs qui sont profondément enfouis. Et effectivement, oui, ça touche le cœur aussi, je pense, par moments, pour certaines personnes. Et je pense que ça participe aussi au succès de l'exposition. D'ailleurs, les visiteurs avec lesquels on a pu commencer à discuter, ça leur rappelle des souvenirs. Bon, mauvais, ça, ils ne s'étendent pas forcément sur les choses. Mais en tout cas, c'est évocateur.
Et là, avec cette exposition, il y a comme un geste symbolique de la part du public qui s'approprie les œuvres, qui les prennent en main, quoi. C'est vraiment comme un symbole de s'approprier le musée. Oui, effectivement, le fait de leur donner la possibilité de toucher, c'est fort aussi. On donne les clés et on vous dit, vous pouvez aller jusqu'au bout de votre rapport à l'œuvre. Et encore une fois, l'expo est faite pour tous et toutes, et personnes en situation de handicap qui, par moment, ne peuvent pas profiter des expositions au même titre que les autres. Un des médiateurs du musée, Olivier, fait découvrir l'expo à un groupe d'enfants. Alors, ça peut être quoi ? Là, ça, c'est un visage. J'ai senti qu'il y avait un nez à un endroit. Il est où le visage ? Là. Il y a un nez, ok. Là, il y a un nez, là, il y a un œil, là, il y a un œil, et là, il y a une bouche. Donc là, c'était quoi ce que tu as touché, là ? Une tête. Une tête ? Et le reste, c'est quoi ? Bah, je pense qu'il y a un corps. Il y a tout un corps ? Habillé ou pas habillé ? Sûrement habillé. Sûrement habillé, oui, effectivement, t'as raison. Hein. Dans quelle position est le personnage d'après toi ? Debout. Difficile à dire hein, quand on ne voit pas. Hein. Là, on va dire que ça, c'est un accoudoir. Il y a un accoudoir ? Oui, bien. Donc, s'il y a un accoudoir, il est assis sur quoi ? Sur un fauteuil. Sur un fauteuil. Bah, tu vois, pas mal, franchement. Mesdemoiselles, vous retirez les masques ou vous venez, s'il vous plaît ? J'ai trouvé celui-là et celui-là. Elle a trouvé la tête là-bas. Mesdemoiselles, approchez s'il vous plaît. Mesdemoiselles. Alors pour la tête de Bourdelin, qui est-ce qui avait compris que c'était une tête ? Moi. Comment t'as compris que c'était une tête ? Bah, j'ai senti un peu les cheveux. Ok. J'ai aussi senti le visage. D'accord. Et dans le visage, t'as compris quoi ? Bah, j'ai compris qu'il y avait des yeux. D'accord. Un nez. Une bouche, et j'ai senti un petit bout d'un coup. D'accord. Ici. Donc en sculpture, ce qu'on appelle une tête. Ce qui n'est pas évident, parce que ce n'est pas un volume énorme, hein. C'est simplement des petits traits, un peu ondulés, qui permettent de comprendre que c'est une chevelure. Quand on le voit, on comprend immédiatement, mais quand on touche, il y a plein de gens qui ne comprennent pas du tout la sculpture-là, par exemple. Hein. Ça, c'est, l'original est au musée des Beaux-Arts de Lyon, hein. C'est une sculpture grecque. On doit être, je ne sais pas, 6e siècle avant Jésus-Christ, hein. Et plein de gens ne comprennent pas du tout ce qu'ils touchent, parce que comme il y a un fragment qui manque, puis là vous voyez la personne tient un oiseau, mais l'oiseau, la tête a disparu, hein. Et c'est une copie très fidèle, hein, exactement à la même échelle, hein. Et pourtant quand on regarde ça paraît simple, et quand on touche, ben, on perd un sens essentiel, et là d'un seul coup on a du mal à s'y retrouver, hein. Ce qu'on va faire maintenant, ceux qui ont été aveuglés, vous devenez conductrice. Celles qui ont été aveuglées, vous devenez conductrice et puis vous changez de rôle. D'accord ? Oui, mais elle, moi j'ai deviné deux choses et elle une chose. Ah ben prenez-en une autre alors, sculpture. Bon bah c'est moi qui vais toucher. Ah, c'est uniquement dans cette salle-là, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'appelle Mokran Ouyed. Je suis retraité. Et je travaille bénévolement au sein des associations pour non et malvoyants. Monsieur Ouyed, en tant que non-voyant, a pu former les équipes de médiation du musée au guidage du public. Avec lui et Sybille, médiatrice, nous avons parcouru l'exposition au rythme de ses mains. Puis quand je vous tiens, j'ai toujours un pas de retard sur vous. Donc, je vous suis. Parce que déjà vous-même, vous allez éviter ces obstacles. Là, j'ai un pas d'avance sur vous, donc du coup, c'est la distance de sécurité. Le pas d'avance que vous avez sur moi me permet d'avancer tout en sécurité. Là, on commence à rentrer dans le petit parcours de sculpture. Mm-hmm. Le cartel est ici, et puis l'œuvre, elle est là. Alors, oh. Bon, c'est une belle dame. Elle a un enfant dans ses bras. L'enfant, il a l'air de sucer son pouce. Apparemment, c'est ses cheveux directement, c'est même pas une coiffe. Elle penche la tête. Apparemment, elle doit regarder son fils. Tendrement. Oui, c'est ça. Oui, ça donne
une émotion de douceur, de voilà, une tonche, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc je dirais que c'est Marie et Jésus. Mais seulement, il y a une chose que je trouve bizarre. Sa tête, oui, par rapport à son corps, oui, elle est toute petite. Oui, c'est vrai. Elle est très fine, elle est très menue. Oui, mais la tête est toute petite par rapport à l'ampleur de son corps, de son vêtement, tout ça. La tête de la dame, dans la proportion de la sculpture c'est globale, ça, elle ne représente pas grand-chose. Elle ne représente pas grand-chose, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est ce qui doit être bien vu, parce que surtout avec son regard tendre pour son fils, pour Jésus, même ses yeux, on les touche à peine. Elle a un nez très fin, elle n'a même pas de menton pratiquement. Vous m'avez montré des choses que je n'aurais pas regardées de la même façon si vous n'aviez pas été là, dans la façon de décrire le visage, les proportions notamment aussi de la sculpture. Bah, de toute façon, ce que nous perdons, vous le gagnez, ce que nous gagnons, vous le perdez. C'est une bonne façon de résumer, oui. Alors, Vierge. Alors là, vous relisez le cartel. Oui. Cartel en braille. Oui. Alors, c'est anonyme, Vierge et enfant, moulage en résine patinée, œuvre originale en ivoire d'éléphant, fin du 15e ou début du 16e siècle. Et justement, parlons du braille. Où est-ce que vous avez appris ? Écoutez, moi je suis d'origine algérienne. J'ai appris à l'école des jeunes aveugles en Algérie avec les sœurs, depuis l'âge de 9 ans. On peut s'en refaire une autre ? Pas que vous voulez. Elle est là. Alors là, il n'a pas de coiffe. Apparemment, c'est des cheveux, directement. Ça, c'est du bon, ça. Ah oui. Le froid n'est pas tout à fait le même que la pierre. Là, il y a un côté presque glacial. Et puis ça maintenant, sonne. Maintenant, au niveau du son. Sybille Sevoloski, je suis médiatrice culturelle chargée de projet au sein du Musée des Beaux-Arts de la métropole de Rouen-Normandie. Il a les yeux écarquillés, bien ouverts. Il a la bouche ouverte. Apparemment, il est en train de faire un discours. Il est en train de crier, parler très fort, oui, à haute voix. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on peut aussi sentir l'émotion à partir des formes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la douceur du visage de la Vierge, de la tendresse du visage de la Vierge. La tendresse, c'est pas une forme, mais c'est tout un faisceau de petits indices, de finesse, d'inclinaison de la tête, qu'on rassemble et qu'on n'est pas obligé de voir, qu'on peut sentir pour la comprendre. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, vous me faites voir des choses que je n'avais pas vues. Voilà, c'est ça, on devient sensible à des petits signes, à des petits indices en fait. On comprend qu'il est en train de parler très fort, qu'il veut se faire entendre. En même temps, avec les yeux ouverts, c'est l'air de regarder au loin. Il doit s'adresser à une grande foule. Je pourrais l'entendre. Ben vous voyez, là aussi, du coup, je me figure une scène que je n'aurais, mais très vraisemblablement, pas du tout imaginée tout seul devant la sculpture. Et à la fois, c'est complètement juste, parce que cette sculpture, c'est une allégorie de l'éloquence. Donc l'éloquence, c'est l'art de bien parler aux foules, de se faire entendre. Donc on est dans la justesse, en fait, de l'idée du sculpteur. On a regardé chaque sculpture, en fait, presque collée l'un à l'autre. Je prends plaisir à vous regarder, prendre plaisir à toucher les sculptures aussi. Quand on touche, on ne doit pas appuyer. Parce que quand on appuie, on ne sent plus rien. Ouais. Mais vraiment, il faut effleurer. Appuyez, voir, appuyez. Déplacez votre main. Monsieur Houyed, Monsieur Levasseur aussi qui était là, et puis une autre personne qui s'appelle Madame Olives, qui est aussi malvoyante. Ils n'ont vraiment montrer qu'on pouvait toucher de plein de manières différentes. À pleine main, on a des informations. Du bout des doigts, on a d'autres. Avec une main, parfois c'est un peu déséquilibré, on a parfois besoin des deux mains pour mieux saisir, quitte après à ce qu'il y ait simplement un doigt qui expérimente quand c'est petit. Et en fait, toute la richesse du toucher et toute sa diversité, c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué.
On a un sens atrophié, en fait, parce que la vue est trop prégnante et elle s'impose tellement à nous qu'elle nous empêche de voir certaines choses. Ça peut sembler un comble, mais à la fois, c'est une réalité quand on fait cette expérience. Et c'est une particularité de cette exposition. On invite le public à prendre le temps. Alors, bien sûr, il y en a qui ne le prennent pas, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, ça peut arriver, soit parce qu'ils n'en ont pas envie, soit parce qu'ils ne lâchent pas prise. Mais quand on s'arrête et qu'on prend le temps, il y a une espèce de monde nouveau qui s'ouvre avec plein de choses, du plaisir brut, des émotions, des souvenirs. Et c'est passionnant parce que pourquoi est-ce qu'on s'attache à sur tel détail et pas sur tel autre? Et ça, c'est toujours une richesse humaine. Moi, je savoure ça parce que chacun est différent et c'est cet échange-là, en fait, qui enrichit. Donc, c'est que du bonheur. Vas-y, t'y es là. Devant toi. Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un peu spécial, hein? C'est sur un pic. T'arrives à sentir la matière? C'est du bois. Ouais. Du bois super poli. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est un peu particulier parce que je pense pas que ça représente quelque chose de... reconnaissable. Enfin... Non, il n'y a pas eu de sens. C'est deux éléments indépendants, en fait. Ils sont quand même collés. L'un sur l'autre, posés l'un sur l'autre dans un équilibre fragile. C'est ce qui a marqué, hein. C'est pas moi qui invente, hein. Ouais. Dans le guide. Ok. En fait, celle qui a fait cette sculpture, elle s'appelle Martha Pan. Elle a une appétence pour le mouvement et la simplicité géométrique. Les formes naturelles souples et épurées, tu sens ça? Ah ouais, c'est très lisse, quoi. Une sculpture qui bouge naturellement. Qu'est-ce que ça représente? Tu veux regarder? Parce ouais. Que je pense que c'est effectivement, c'est quand même très abstrait. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait penser à un poisson. C'est juste, ils sont juste posés l'un sur l'autre. Hein. Ouais. Classe. Je crois justement un peu l'intérêt de son travail, c'est de jouer sur le mouvement et sur les équilibres. Je crois que ça s'appelle balance en deux, ça s'appelle. Sculpture mobile en deux pièces. J'aurais pas du tout deviné. Oui, mais celle-là, elle était... Dans notre travail de médiation dans les services des publics, il y a quand même quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'essayer de faire partager les musées et de lutter contre ce préjugé que les musées ne sont que pour certains et certaines classes de la société et que certains n'y ont pas leur place. Ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment bondir parce que c'est faux, en fait. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le vit. Mais s'ils ressentent ça, c'est bien qu'il y a des barrages. Et tout notre travail, c'est de lever ces barrages, de lever ces freins. Et en donnant accès à des œuvres par cette manière sensible et tactile, on met tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Parce que toucher, on peut tous le faire. On peut tous prendre du temps, on peut tous dire ce qu'on ressent. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a ce que l'on sent. Et ce que l'on sent est aussi valable pour une personne A que pour une personne B. Et nous, on espère... Un, que cette expérience puisse se prolonger au-delà de l'exposition, hein, qu'on puisse garder, alors pas forcément ces dispositifs hein, qui vont partir dans l'itinérance, mais qu'on puisse garder cette expérience pour l'importer dans nos collections. Et que les gens qui sont déjà rentrés une fois, ils viennent une deuxième fois. Mais ça veut dire que la deuxième fois, il faut qu'ils se sentent aussi accueillis que la première fois. Donc tout ça, c'est vraiment notre travail, notre préoccupation. Parce que tout le monde a le droit de dire, ne serait-ce que j'aime, j'aime pas. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un va commencer à dire « j'ai pas d'émotion parce que le personnage ne me regarde pas, parce que c'est ennuyeux, les formes sont simples voilà. », et ça y est, là, on est en train de parler et on est en train de construire la vie de la personne, le sentiment, le ressenti de la personne face à une œuvre. Donc, tout de suite, on lève en fait ce frein. Et moi, j'aimerais que nos musées soient visités par tout le monde, tout le temps. Ils sont gratuits et parce qu'on ne veut pas que l'aspect financier soit un frein au sein de la métropole et qu'on peut venir 5 minutes dans un musée et repartir. On n'est pas obligé de venir passer 2 heures ennuyantes. On peut venir passer 5 minutes, avoir un truc qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, puis on ressort. Voilà, c'est en faire un lieu de vie, de lieu de passage et lieu d'échange. Voilà, on s'arrête et puis on dit à son voisin « Vous aimez ce tableau ?» parce que vous êtes depuis longtemps devant et puis moi, je ne l'aime pas. Cette sculpture-là, vous l'avez aimé, M. Ouyed, parce que moi...
Et donc c'est là que c'est intéressant l'échange en fait. Vous avez dit, ça fait longtemps qu'on n'était pas proches comme ça. Et je pense aussi qu'on a besoin d'échanges après 2 ans un peu catastrophiques là, où on a été privé de beaucoup de relations humaines, de beaucoup d'échanges, de beaucoup de sensations physiques. Là c'est l'occasion aussi de se reconnecter en fait. Pour des gens qui ne sont jamais venus dans cette expo, est-ce que vous pourriez nous donner une bonne raison de venir ici ? Visiter l'expo, prière de toucher. La raison, c'est que ces gens-là, qu'ils se rendent compte ce que nous ressentons en tant que non et malvoyants. Mais vraiment les amener dans notre monde. Un grand merci aux équipes pour leur accueil et à toutes les personnes que nous avons rencontrées et interviewées lors de cette journée. L'exposition « L'art et la matière, prière de toucher » est à visiter jusqu'au 18 septembre 2022 au Musée des Beaux-Arts de Rouen, puis à Lille, Bordeaux et Nantes. Vous avez donc jusqu'à fin août 2024 pour tenter de profiter de cette expérience sensorielle qui transforme le rapport aux œuvres et nous transporte dans nos souvenirs. D'ailleurs, comme le conseille Monsieur Houyed dans l'épisode, lors de votre visite, effleurez, touchez du bout des doigts les sculptures ou avec la paume des mains pour ressentir un maximum de sensations et laisser place à vos émotions. Lors de votre visite à Rouen, profitez-en pour découvrir les 10 autres musées qui font partie de la Réunion des musées métropolitains de Rouen. Ils sont gratuits et proposent une grande diversité de sujets. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.